Salut à tous, c'est Sam Kibo et j'espère que vous allez passer un bon moment. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Call of Duty Vanguard car j'ai enfin débloqué le camouflage en or sur le car 98. Alors pour les défis, au final je n'ai pas trop galéré pour le car 98 sauf pour une catégorie, c'est la catégorie survivaliste car il faut équiper le sniper d'une certaine façon et faire des éliminations sans subir de dégâts. Donc c'est assez compliqué et notamment pour moi l'accessoire qui est le plus embêtant pour ce défi c'est le chargeur de 5 cartouches car comme on peut voir au niveau de la puissance de feu, ça réduit énormément les dégâts et je pense que pour un sniper et ben c'est pas forcément bon. Donc la solution que j'ai trouvé c'est tout simplement de partir en mode hardcore, comme ça ça one shot plus facilement et on peut avancer rapidement le défi. Mais après pour le reste j'avoue que ça n'a pas été très compliqué. En revanche je redoute énormément pour le fusil 3 lignes car pour le défi où il faut faire 5 éliminations sans mourir, c'est ici reptilien, il faut faire 100 fois 5 éliminations sans mourir, ce qui est tout simplement énorme en sachant que pour le car 98 c'était seulement que 30 fois. Donc je pense qu'un patch va arriver très rapidement et j'espère pour modifier ça et réduire la quantité à 30. En tout cas je suis vraiment content d'avoir débloqué mon tout premier camouflage en or sur Call of Duty Vanguard, j'espère que ce sera pas le dernier. D'ailleurs dans le gameplay que vous allez voir je débloque en live le fameux camouflage en or sur le car 98. Il me manquait juste deux défis, le premier c'était de faire une élimination sans subir de dégâts avec la fameuse classe et le deuxième défi c'était de faire 2 fois 5 éliminations sans mourir et en plus j'en ai profité pour faire quelques actions vraiment sympas. Sur ce matin les amis, place au gameplay, c'est parti. L'objectif de la game c'est de prendre le car 98 et de le monter en or. Il reste pas grand chose à faire vraiment, du style un kill avec cette classe, donc une classe tout à fait ignoble parce que vous allez voir je pense très rapidement elle ne one-shot pas. Ou très rarement, il faut viser la tête et être assez proche de l'individu. Il me reste que un kill à faire avec ça. Et oui, le détail aussi qui tue, c'est qu'on ne doit pas être touché. Il faut avoir 100% de santé, tuer le mec et c'est tout. Et je suis à 99 sur 100. Donc un petit kill à faire avec ça. Viens là, toi. Oh! Ok les gars, bon, ça c'est fait, on peut passer au classique maintenant. On n'a plus besoin de jouer avec la classe vraiment à vomir. On peut maintenant jouer avec le car 98 quoi. Et faire 5 kills sans mourir. Allez. Ah j'étais sur le quad. Ok, 5 kills sans mourir. Je pense que cette game là les gars on va débloquer le camo en or. Ah c'est sûr en fait, c'est sûr. Le début était un petit peu complexe même si j'ai fait 100 kills avec la classe vraiment je sais même pas comment on peut la qualifier parce que vraiment le sniper est assez mobile. Mais ouais j'ai mis la mire parce que à longue distance c'est impossible de tuer. Impossible, il faut viser la tête et même des fois quand tu vises la tête et ben ça marche pas. Mais bref, ça c'est mauvais souvenir. Ok, là on a fini. On a fini ça. Oh l'autre. Oh la honte pour toi. Non. Ah dommage. Bref, là maintenant on peut s'amuser avec le car. On a juste à faire 1 fois 5 kills sans mourir et on aura débloqué officiellement le camo or dessus. Et ça, ça va être très très bon. Il me regarde là. Mais je t'ai eu quand même. J'ai mis quoi? Non! Je crois que c'est le dernier. Ok les gars, on est sur le... Non! Non! La collade qui passe pas. Et en plus je meurs par une grenade qui sort de je ne sais où. No way! Vas-y, on y va le gars. On y va. Mon viseur, il venait de je ne sais où. Hein. Oh, il y avait 3 mecs là. No. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je ne meurs pas tant que j'ai pas fait les 5 kills. Attends, il peut y avoir du monde là.
On recherche tranquille. Est-ce qu'il va venir le gars là? Vas-y, on va le chercher, hein. Fuck. Heureusement que t'es nul parce que j'étais pas bien. Ils sont où? Un kill et c'est bon les gars. Mais c'est... Mais tu vois, le son est nul à chier. Le mec, il court derrière moi depuis tout à l'heure avec sa batteuse. On ne l'a pas entendu. Mec, c'est ouf. Oh non. On y était presque, les gars. Il manquait un kill. Oh, t'inquiète, ça va passer. Ça bouge, là-haut. Toi, t'arrêtes de camper. Encore. Là-bas, il y a un mec qui est décédé. Ils sont tous là. Arrête de t'allonger, toi. Allez, viens. On veut danser, hein. Ok, un kill, les gars. C'est maintenant ou jamais, les gars. C'est maintenant. Je veux qu'il soit beau. Ah bah, il est fait. Il est fait, les gars. Il est fait. Ça, c'est bon. Bah, arrête de bouger. Arrête de bouger. Oh. Let's go, baby. Viens, on débloque les chiens. Attends, ça arrive beaucoup, là. Ah ouais, ils sont pas sereins, là. Allez, ça part sur ça. On lance les chiens pour fêter le camouflage en or. Boum. Yippee-ki-yay, motherfuckers. Oh, que c'est bon, les gars. Le premier camo en or sur Vanguard, c'est sur le KAR98, aka le meilleur sniper du jeu. Bon bah voilà, hein. Cette map est baptisée le premier camo hors Vanguard, ok. Je savais même pas qu'on pouvait aller aussi loin, je l'ai même pas eu, il était hors map le gars. Bon, ils sont où? On part peut-être sur une nucléaire, hein, qui sait. Imagine. Ok, sur l'autre côté, là, j'ai vu le drone. Toi, t'es mort. Attends, mais chien, je crois, il tue personne, en vrai. Oh là là. Ah, les sensations sont là, sont présentes. Allez, viens, viens. Il veut pas venir, lui. Non. Fallait me laisser. Ah, y'a plus rien qui passe. Calomnie. Ok, la fête est finie. Attends, on va essayer de monter dans la... Ah, bah tu vas dessus là. Eh lui, tout à l'heure, on a voulu se faire un petit 1v1 sniper, il a pas assumé, il a dégainé le pistolet direct. Oh. Je voulais tenter un 3-6, mec. Oh merde, ouais, bah c'est pas très beau du coup, hein, puisque c'est raté. Alors toi, il faut que tu consultes Optique 2000. Hein. Attends, ils sont tous au fond. Oups. Ok, un mec là-bas. Derrière moi, ça me tire dessus? Non, ok. Allez les gars, on gagne ou pas? Bah, j'aimerais bien faire un petit geste sympa pour la bonne cause. Vas-y, mon planante. Je pense qu'on les écrase un petit peu là, non? Ou c'est qu'une impression? Bon, il y a... Ouais. Je pense que sur cette map là, les killstreaks ne servent pas à grand chose. Vous êtes où? Vas-y. Dans ta tête. Dans ton beefsteak. Ok. Très beau ça. Vas-y, émulation furieuse. Oh, c'est sympa ceci. On peut pas appeler. Ah, on peut rien appeler là. Y'a quelqu'un là-haut. Le car, c'est vraiment trop facile, les gars. Aïe. Encore les chiens. Non, mais y'a trop de chiens. Vas-y, hein. On a débloqué deux fois les killstreaks à fond. Let's go, victoire. Game vraiment sympa.
au quart. Ça fait trop plaisir parce que... Imaginez, hein, j'étais avec la première classe qu'on a vue au début de la game. C'est-à-dire Alamir avec un canon nul, une crosse, voilà, pas adaptée. Enfin, il n'y a rien qu'à aller sur cette classe-là. C'était pas le sniper le plus rapide, mais ça, c'était rien. Parce que, en fait, le sniper faisait grave des hitmarkers. Il fallait mettre une tête absolument et pas très loin parce que sinon, c'était terminé. Tu vois, mesdames et messieurs, voici en avant-première. Eh oui, le camouflage hors du car. 98. Ouh. Le voici, on l'a enfin débloqué et ça fait super plaisir. Une bonne chose de faite. Oh que oui. On va bien évidemment pas s'arrêter là et lancer une game pour découvrir et observer à quoi ressemble le car 98 avec le petit camouflage en or. Ça va être plutôt sympa. Et évidemment, gagner la game et tous les massacrer. Hein, tu connais la traduction. Attends, donc, comme il n'y a pas d'inspection d'armes, malheureusement, on va se mettre sur une bonne lumière et recharger. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, malheureusement. Alors, on peut voir que le car n'est pas totalement recouvert du camo or. C'est un peu comme sur Black Ops Cold War. C'est-à-dire que tout ce qui est en bois est peint en noir. Donc le seul moyen d'avoir un sniper, enfin du moins le car, totalement recouvert en or, ça serait d'avoir une variante qui soit en métal. Et là on aura donc un truc plutôt sympa. Mais bon, on va dire que pour l'instant, pour le peu d'or qu'on a sur le car, la couleur est plutôt, elle est plutôt bonne, tu vois. C'est un or... pas vif, mais bien or. Je sais pas comment on peut le dire, mais la couleur n'est pas dégueu. Bon allez, maintenant on va se concentrer. On va arrêter de parler design. Et on va ramasser nos jambes et tuer tout le monde. Ok, toi t'es mort. Oh, pas cool ça, le marqueur. Ouh, y'a du monde sur A. Wow! Comment il savait que j'étais là, moi? Vas-y, on tombe sur A, ça a l'air intéressant. So many people. Sécurisation d'Able. Vous les voyez, vous? Un peu. Le classique. Il y a toujours quelqu'un là, c'est du rab, en fait. Si jamais... t'es sur une triple sur cette map et que tu veux faire une quad feed, et bah tu regardes rapidement là-haut et t'auras le quatrième. C'est aussi simple que ça. Ok, y a du monde là. Hein. On le sait ça. Hein. On le sait, on le sent. Ils sont fous de moi. Oh, pardon. Oh putain, je sors de la couverture et je me fais avoir comme un bleu. Toi, t'es mort. Toi aussi, t'es mort. Ah, ça change de l'autre map, hein. L'autre map, elle était vraiment bien serrée. Et donc, t'avais des fights assez intéressants, surtout pour un sniper. Mais là, j'avoue que cette map-là, elle est vraiment grande. Sur le rythme assaut, c'est le minimum, hein. Tu peux pas avoir moins que... On est en combien, là? 12v12. Ça me tire dessus, mais je sais pas d'où. Ok. Ok. Continuez comme ça, vous êtes bien parti. Bah ça c'était sympa. Une petite quad feed. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-vous, enfin dites-vous, dites-moi chez vous, qu'est-ce que vous en pensez avec hashtag débutant confirmé. Ok, il y a mes petits loups, une moule. C'était pas mes petits loups, c'était mes petites moules. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça brûle ça? Non. Ah, le camion or, ça rend fou les gars, ça rend fou. Vous imaginez pas ce qu'on peut faire avec tout ça, hein. J'aimerais bien faire un 3-6, mec. J'ai jamais mis 3-6 de ma vie. Enfin, sauter comme ça, tu vois. On a détruit le radio. Donc si je vois quelqu'un...
Je pense que tout le monde là est dans le bat ou en train de camper en haut là. Un des deux. Ou les deux. Ah ça fait mal hein. Ah ça fait mal ça hein. C'est pas des blagues. En fait ils se sont tous regroupés. Tu vois tous les points ils sont sur B. Ils veulent plus ressortir les gars. Ah c'est cuit hein. On va essayer de contourner par A du coup. C'est fou. Ils campent tous dans le même endroit. C'est pas possible. Mec je comprends pas ce qui se passe. Viens. Vas-y viens. Je savais pas qu'on pouvait monter là. Oh toi t'es nul hein. Putain la game elle est vraiment vraiment spéciale hein. Parce que on est en 12v12 les gars. Et j'ai l'impression que dans la deuxième partie de la game il y a tout le monde qui s'est regroupé sur B. Enfin du moins les ennemis. Et donc toi tu les cherches. Et quand t'en trouves un, t'en trouves 60. Ou tu trouves un mec qui se balade un peu par-ci par-là. Et si quand pas t'as de la chance. Mais au moins on a bien pu voir le camo en or. J'ai trop hâte qu'ils mettent les inspections d'armes parce que c'est la base. Et à chaque fois ils mettent pas dès le début. Donc je sais pas pourquoi. Et aussi à noter qu'on a mis une petite quad feed, voilà, très sympathique. On va essayer de faire tous les snipers pour avoir le camo en diamant, même si j'ai très peur de à quoi il va ressembler, parce que sur Black Ops Cold War, j'ai mis tous les snipers en or, et donc j'ai débloqué le camo en diamant. Et bah j'étais très dégoûté, je l'ai jamais mis. Pour faire simple, je l'ai jamais mis parce que ça ressemblait à des petits cailloux que tu trouvais dans le jardin et que t'as collé sur l'arme. Un truc vraiment pas très beau. Et juste en regardant comme ça, bah bon là on voit pas grand chose aussi parce que le car n'est pas en métal. Il a un petit peu de bois dessus. Mais là juste sur la lunette et le canon, tu vois ça brille pas, on dirait pas que c'est des pierres précieuses. Et ça fait peur quoi. On dirait vraiment des cailloux. C'est des cailloux que tu trouves par terre, tu colles sur l'arme et c'est terminé. Donc je sais pas. Par exemple là sur le fusil 3 lignes, là, tu as un vrai camo or. Parce que là, toute l'arme est en or. Ça, ça a de la gueule. Ça, c'est cool.